China. Voilà maman, dis-moi, on est où là? Au temple de Confucius. Et alors, il ressemble à quoi Confucius? À ça, c'est le... Tu le trouves... Tu le trouves séduisant? Niao. Ah oui, tout à fait. Et toi papa, tu trouves qu'il est beau Confucius? Confucius magnifique, oui, c'est le plus beau. Je voudrais être comme lui. Vous pouvez observer les admirables plafonds à caissons. Caissons que l'on retrouve dans les châteaux, je crois, de la Renaissance en France. Ici, vous avez la reproduction des sons, des tambours de pierre. Song of the stone drum. Down, ding, down, ding, down. Chinois. Papa? Oui? C'est quoi ça? Une guillotine, celle de Louis XVI. Ah, on a le bras trop court alors? Papa, maman, interrogation surprise. Après moi. 1, 2, 3, 5, un papa, 4, bon. Vous redoublez. T'as vu, il y a une bande dessinée. Mm-hmm. C'est quoi? C'est Confucius au Congo? Wobudong China. Là, il se passe quoi dans celle-là? Combat. Confucius qui bat ses enfants, voilà. Ah bah. Ils n'ont pas été sages, alors ils les battent. C'est une leçon d'éducation, alors. Voilà. Il devrait prendre les bonnes manières. Ah, vous m'avez pas battu, ça se trouve, j'ai pas dû apprendre. Ouais. Vous n'avez pas trop tard. Je vais rattraper le retard. Tu veux quoi? Du thé Wulong. Ok. Du thé Wulong. Women, your Wulong cha. On va cueillir. Chichi. Elle a dit qu'il pouvait pas. Oh. Où est-ce que je veux, c'est qu'un chichi. Non, mais ça, c'est la table, maman, c'est la table. Je sais, mais c'est... Ah, c'est la table. C'est la table des colliers. C'est ça. Oh là là. Wobudong China. On va où? Paris. Paris-Pékin. Voilà. Combien de temps? Trois semaines.